Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons... Ist die Kollegin Arnaud Thür im Saal? Ja. Meine Damen und Herren, dann darf ich Sie jetzt bitte freundlich dazu auffordern, Ihre Unterhaltungen einzustellen und gegebenenfalls den Saal zu verlassen, wenn Sie sich weiter unterhalten wollen. Bitte seien Sie so respektvoll der Kollegin gegenüber. Please leave the plenary if you want to continue your conversations. Thank you very much. Madame Arnaud Thür, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons voté contre la ratification de ces accords. L'Ukraine est actuellement déchirée entre l'Est et l'Ouest. On le constate de manière tragique chaque jour. N'oublions pas que cette crise est directement issue de la signature ou non des accords que nous discutons aujourd'hui, puisqu'elle a commencé avec la volte-face du président Yanukovych, renversée ensuite par un coup d'État. Pourquoi alors jeter de l'huile sur le feu en signant cet accord, au lieu au contraire de tenter d'apaiser les choses entre les deux camps? L'association entre l'Union et l'Ukraine a pour objectif notamment de promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité. Pour l'instant, vous avez exactement au résultat inverse. Par ailleurs, comment voulez-vous appliquer un accord de libre-échange avec un pays dans lequel sévit une guerre civile sur environ un tiers de son territoire? Enfin, il est assez inquiétant, dommageable et alarmant qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée, puisque cet accord comporte de nombreux risques, tant pour les salariés européens et donc les salariés français, et également bien sûr les salariés ukrainiens. Je vous remercie. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Kollege, der das Wort hat, ist Jean-Luc Schaffhauser. Kollege Schaffhauser, oui, Sie haben das Wort. Oui, Monsieur le Président. Nous avons voté contre cet accord parce qu'un accord d'association